la houlant, c'est du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence avec un temps qui est variable, une température extérieure à 10 degrés, une température de l'eau à 12, un petit 13 degrés, une marée qui est en train de finir de descendre, le plein bas est à 9h avec des coefficients de 39. Sur cette fin de nuit descendant, le vent est offshore par le nord-est, il est modéré, il y a deux beauforts établis des rafales à 3, le plan d'eau est légèrement ridé, les phases de vagues sont lisses, la houle est propre, une houle qui est longue, consistante, de 15 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest, à la hausse, qui donne du 2 mètres, 2,50 mètres en déferlement régulier, 3 mètres sur la majorité des séries, 3,50 sur les grosses séries longues à venir. Ça barre, ça ferme, au large, au bord, il n'y a pas vraiment de vagues qui passent, difficilement surfable à la Cano ce matin. Option spot de repli pour les surfeurs motivés. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être en légère baisse à la mi-journée, de manière plus marquée cet après-midi, avec un vent qui va s'orienter un peu plus au nord et se renforcer cet après-midi. La boue Arcachon a touché son pic à minuit à 4,80 m et 11 secondes. Elle est à la baisse ce matin à 4,50 m et 11 secondes. Les prévisions nous donnent à 13h encore 3 mètres, à 3,50 m sur les rares grosses 7. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, vent de nord-est qui se renforce, 3 à 4 beauforts. Et à 17h, on attend 2,50 m à 3 mètres. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, vent de nord-nord-est à 4 beauforts. Solide toute la journée, compliqué à la Cano, surfable sur les spots de repli. Prochain point, 11h30, à tout à l'heure, merci.